Oui, il y a le show là, il faut aller voir le show. Avec vous avez les couleurs iridescentes là, vous avez le violet de cette année. Extraordinaire les canards assortis. Oui, c'est ça, mange les pensées. Ouais. En 1908, Kenneth Grahame écrit The Wind and the Willows, qui va nous donner Mr. Toad chez Disney quelques années plus tard. En 1949, pour être plus précis, The Adventures of Ichabod Crane and Mr. Toad. En soi, ce film, c'est le sixième et dernier, ce qu'on appelle les package films. On avait Saludos Amigos, c'est des films qui réunissent plusieurs courts-métrages. Il va être le dernier de cette période, il faudra attendre beaucoup plus tard avec Winnie l'ourson pour qu'on retrouve ce format-là chez Disney. Alors, les deux aventures qu'on a à l'intérieur, donc Mr. Toad et Toad... You'll find his story in this delightful little book, The Wind and the Willows. Toad, you might say, was the one disturbing element. Incurable adventurer... Et l'autre, c'est Sleepy Hollow. Old Icky, if you recall, was the country schoolmaster, dreamed up by Washington Irving. Oh, he had a way with the yarn, did Mr. Irving. On va les retrouver également séparés, notamment dans l'émission Disneyland qui sera créée pour l'ouverture, pour financer l'ouverture du parc sur ABC. Donc on aura Sleepy Hollow, Mr. Toad séparément. En 1955, quand le parc va ouvrir, on aura l'attraction Mr. Toad qui en fait une attraction historique à Disneyland parce que de 1955 en 1983, ce sera le même ride. À partir de 83 et jusqu'à nos jours, le ride va être un peu modernisé. Mais ça reste le même schéma, on suit l'aventure qu'on a plus ou moins dans le dessin animé. Alors cette attraction, nous on ne l'a jamais eue, mais elle a été à Disney World de l'ouverture en 71 jusqu'en 98. Et ensuite ils l'ont fermé, donc voilà. Nous, en 92, on s'est retrouvé avec le restaurant des aventures Mr. Toad. Et quand on se promène à l'intérieur, les différentes salles, on a un jardin d'hiver, on a une bibliothèque. Quand vous vous promenez, on peut voir les tableaux, ce que vous retrouvez à l'intérieur du dessin animé. C'est une immersion complète dans le manoir de Toad, Mr. Toad. Alors l'histoire de Mr. Toad, ce crapaud, il a de l'argent, mais il le dépense énormément et il a tout le temps une lubie, c'est d'aller plus vite. Donc ça va être avec un cheval, ça va être d'un seul coup, il va avoir une voiture, il devient fou, donc il faut la voiture. Ce qu'on retrouve la girouette d'ailleurs au-dessus du restaurant, on le voit dans ses aventures plus que rocambolesques avec cette voiture. À la fin, c'est avec un avion. Et bon, en cours de route, notre pauvre crapaud a un gros problème, c'est qu'il va perdre le manoir parce que justement, pour avoir la voiture, il va signer un contrat, mais le contrat lui fait perdre son manoir. Mais bien, l'histoire, j'en dis beaucoup trop là par rapport à l'histoire. Vous pouvez le trouver sur Disney+. Si vous n'avez pas encore vu le dessin animé, allez le voir. C'est la première partie, la narration est de Basil Rathbone qu'on a vu maintes et maintes fois face à Errol Flynn, notamment dans les aventures de Robin des Bois. Donc, regardez bien, donc Mr. Toad est partout, il nous accueille. Vous l'avez même sur la frise au niveau de la toiture.
Et c'est un superbe manoir anglais qui s'offre à nous. Donc ici, c'est un restaurant, pas une attraction. Spécialité anglaise. Et on retrouve bien ceux qui sont déjà allés en Angleterre avec les cheminées comme ça. C'est un endroit magnifique. Donc on est dans la partie anglaise de Fantasyland puisque ça touche Peter Pan, une autre œuvre littéraire de théâtre à l'origine, une œuvre littéraire ensuite de J.M. Barrie. Superbe endroit. Et regardez donc le blason, donc on vous dit bien restaurant, mais No Consumus Froglagus. Donc ça veut dire on ne consomme pas de grenouilles. C'est du latin anglicisé. Les détails, regardez là, le conduit d'eau. Donc là, c'est en soi normalement le jardin d'hiver qui fait également salle pour manger. Et donc la partie jardin d'hiver qui fait également restaurant. Avec les vitres, belle vue sur l'extérieur, même si c'est un peu voilé, hein. C'est normal, super éclairage. J'aime bien la charpente style bois comme ça et le lustre. Voilà, il n'y a pas de déco à proprement parler, mais l'endroit est très sympathique. Et toujours ici, les musiques typiquement britanniques. D'ailleurs, on entend souvent Rule Britannia. Donc cet endroit a toujours été un de mes préférés. Alors regardez, là nous avons notre ami sur un monocycle. La fameuse girouette dans la voiture. Et juste à côté, vous avez les toilettes. Entre le restaurant Toad Hall et Fantasyland Station. Et vous avez une terrasse. Terrasse qui est assez grande d'ailleurs, toujours très ensoleillée. Et qui servait pour faire la queue pour Peter Pan aux heures les plus sombres, c'est-à-dire quand le Toad Hall était fermé. Et un petit peu en retrait, vous avez également une autre terrasse. Juste derrière la queue de Peter Pan, donc bon, il y a un peu de bruit parce que voilà, la Peter Pan, mais quand même on est assez protégé avec cette haie. Alors maintenant on va parler de l'alimentation. Je suis démoli, démonté, oh, je suis énervé même, carrément énervé. Donc j'attendais, vous avez suivi au fil du temps, avec impatience l'ouverture du Toad Hall parce que j'adorais venir manger ce qu'on appelle les pailles en anglais, une tourte en français. Alors c'est vrai qu'elles étaient petites. Il n'y avait pas le fameux gravy qui est servi avec et cette sauce épaisse à base de légumes et du bouillon qui a servi à préparer la viande. Il rouvre, il n'y a plus la tourte, elle a disparu. Donc on a toujours le fish and chips. Heureusement, ils n'ont pas eu l'idée d'enlever le fish and chips. Mais avant, on avait deux possibilités, un simple ou un double. Là, j'ai regardé la carte, il n'y a que celui-là. Il n'y a pas un simple ou un double. Voilà, il y a une formule. On a le pané vegan and chips, génial, très britannique. Qu'est-ce qu'on en a à faire là? Il y a le petit fish and chips pour enfants à 6 euros. Ok. Le roulé de Mr. Toad, très sympa avec la tête Mr. Toad. Le roulé, ce qu'on appelle un sponge cake, très répandu en Angleterre, on est bien d'accord. Mais au kiri. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve aussi. Ce cassage de thématisation avec des marques. Autant Coca-Cola, ça ne me gêne pas, notamment au niveau de Main Street, ou comment il a été incorporé à Adventureland, c'est très très bien fait. Là, vraiment, alors je comprends, il faut prendre l'argent, il y en a, c'est du sponsoring, génial. Mais Kiri, c'est tellement britannique, le roulé au Kiri, c'est vraiment britannique. Il y a tellement de possibilités à faire au niveau des desserts, je comprends pas. Donc, très sympa, la tête de Mr. Toad dessus, j'adore. Le sponge cake, je comprendrai. Au Kiri, non, non, voilà. Donc il n'y a plus de tourte et on a voilà juste le fish and chips. Il n'y a plus de menu. Comment? C'est voilà, je suis très très déçu. Donc je regarde les autres desserts, on a yaourt, brownie, magnum, ça c'est de fruits, c'est très très britannique bien sûr. Les boissons, bière et cidre, vin blanc, il n'y a même pas une oui, bière. Bon, là, ici. Pardon, ouais, voilà, c'est je comprenais que je suis énervé. Donc on va quand même aller y manger. J'aime le fish and chips. Je crains un peu le pire aussi au niveau fish and chips. Ils n'ont jamais été absolument incroyables par rapport à ce qu'on a en Angleterre, ce qui est un peu logique. Mais bon, allons voir.
Mais pourquoi on va enlever les pailles, les tourtes? Ça m'échappe complètement. Et qui rit? En effet, tu m'as fait remarquer quelque chose, qu'on est dans la même configuration que le Casus Corner, il n'y a pas de menu. Voilà, c'est même là, ils ont, en soi, puisqu'il y a le petit fish and chips et le roulé qu'ils ont ouvertement adressé pour les enfants, il n'y a pas un menu enfant et on n'a pas un menu, voilà, c'est séparé. Donc, le fish and chips à 12€, vous rajoutez la boisson, ce qu'on trouve avec Casus Corner. Puis il n'y a pas beaucoup de choix, hein, faut dire la vérité. C'est surtout que, voilà, c'est le panier vegan and chips, ce qui m'agace en soi, c'est pas le fait qu'on parle de vegan, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas... On est sur un endroit qui devrait être typiquement britannique. Une tourte vegan, par exemple. C'est... Oui, ils mangent aussi en Angleterre des panés, super. Une tourte, revenez, ramenez les tourtes. Une tourte à la viande, une tourte vegan. Ça aurait été génial. Il y avait quatre menus différents, là. On n'a plus que deux plats, en fait. Oui, c'est ce que je disais, comme pour le fish and chips. Bon. Pathétique. Il y avait un toast aussi. On va aller manger ça. Hidden Mickey sur les lanternons. Voilà, on est chez Mr. Toad, et donc les tableaux à sa gloire, on n'a jamais servi que par soi-même. Regardez, les cordes de chasse, le lustre. Vraiment un des endroits préférés, le polo. Là, on peut voir que Mr. Toad, il est de toutes les aventures. J'aime le détournement d'œuvres classiques comme celle de Van Gogh. Je disais qu'il avait une vie très risquée. Regardez le papier peint, à son effigie également. Oui, il est sûrement un peu narcissique. Ah, Monsieur Rat et Monsieur Taupe. D'ailleurs, Monsieur Taupe, si vous regardez bien le dessin animé, on a une forme de proto-Winnie. Dans les attitudes, la façon même de parler, il ressemble vraiment à Winnie l'ourson. C'était, là on est en 49, 15 ans avant Winnie. Version Disney, j'entends bien. Mr. Badger, c'est blaireau si je ne me trompe pas en français. Et je ne donne pas une insulte, hein, c'est pas une insulte. Regardez-moi ça en fer, comme c'est beau. Donc voilà le fish and chips, donc c'est un double, il n'y a pas la version simple. Si ce n'est, toi, t'as pris pour enfant du coup pour mon frère. Mais c'est pas marqué pour enfant, hein. C'est marqué non, mais petit fish and chips. Oui, ben, petit fish and chips, oui. Oui, d'ailleurs, on va dire qu'il n'y a pas de menu enfant. Donc voilà, on va dire que donc t'as encore l'individuel et donc le double grand. Et alors, vous voyez, le papier journal, ça a effigie de Mr. Toad. Trop drôle. Je crois qu'on peut lire un peu de ses aventures. Alors, pourquoi le fish and chips est servi dans le papier journal? C'est une tradition britannique, généralement autour du poisson, en principe c'est du haddock, mais ensuite que ce soit en Irlande, en Écosse, vous avez différents types de poissons qui sont utilisés, mais toujours un poisson blanc, qui est dans une panure où c'est la friture, c'est l'huile. Donc on met autour un papier blanc pour absorber un petit peu l'huile, et on enveloppe dans du papier journal pour que ça garde la chaleur, tout simplement, parce qu'en fait le principe du fish and chips, c'est un fast food, c'est quelque chose qu'on prend et qu'on emporte, on ne mange pas sur place généralement. Donc les gens avaient ça sur eux, enveloppé dans le papier journal, ils s'installaient dans un coin et ils mangeaient ça comme ça, un peu comme un sandwich. Donc c'est du fast-food avant l'heure, extrêmement populaire en Angleterre pendant des années, et même à l'heure actuelle, quand vous allez à Londres, vous avez partout du fish and chips. À Camden Town, il y a une maison historique, enfin bref, si vous allez à Londres, tapez fish and chips, vous allez chercher, vous trouvez des endroits absolument incroyables. Malheureusement, je reviens là-dessus, je suis peut-être lourd, mais les pailles, les tourtes manquent définitivement. Faites-nous une tourte vegan, faites-nous une tourte avec de la viande traditionnelle.
remettez-les-nous, s'il vous plaît. Si quelqu'un m'entend, remettez-nous les tourtes, parler avec des gens. Ils sont dans le... du même avis que moi. On veut des tourtes aussi. Le fish and chips, c'est génial. Les tourtes, please. Oui, je t'écoute, tu disais. Il y a deux choses qui manquent. Alors, je sais qu'ils ne le faisaient pas ici en France, mais d'abord, le fish and chips est arrosé de vinaigre. C'est toujours fait quand on les achète là-bas. Ça fait ressortir le goût du poisson. Et d'habitude, nous avions du citron. Et il n'y en a plus. Voilà, on a de la sauce tartare ou de la sauce ketchup. Ça m'a été proposé, donc j'ai pris la tartare. Mais effectivement, qu'il n'y ait pas de citron avec du poisson, c'est un peu dommage. La transition prend un coup. Par contre, excuse-moi parce que j'ai oublié quelque chose. Tu parlais qu'on avait un toast burger avant aussi. Oui, il y avait un... On ne l'a jamais pris. Au pain toasté, oui. Ouais. Si, tu l'as pris. Ah, j'avais peut-être pris alors. Je m'en souviens. En tous les cas, là, le choix est vraiment... Il n'y a que deux plats différents. Quoi. C'est dramatique. Mais bon, le plaisir de se retrouver dans cet endroit. Tu as également, donc, pour le manger, pris le roulé au kiwi. Oui. Et c'est du chocolat blanc ? Oui. Non. D'accord, et pas de problème. Ça sent le sucré. Donc, je pense que c'est du kiri, mais c'est du kiri parce que la base, c'est du kiri, mais c'est sucré. Mais je vous dirai ça tout à l'heure. Je vais goûter. D'accord. D'abord, je mange mon fish and chips. Mini fish and chips. Alors, je goûte. Moi, j'adore les roulés. Hein. Donc, je vais vous dire tout de suite si c'est bon ou pas. Attendez, c'est un métier, mon vieux, aussi. Non, honnêtement, c'est... faut aimer... Les gens qui aiment bien le cheesecake, ça peut être sympa parce que ça a vraiment un goût de fromage. Fromage blanc. Ben de kiri en fait. Un petit peu sucré. Et le sponge, il n'a pas de goût particulier. Voilà. Bon, c'est pas mal. Enfin, faut aimer le fromage. Hein. Voilà, j'ai fini mon fish and chips. Bon, pas trop la sauce. Elle est très bonne. Donc vous pouvez mieux voir là le type papier journal qu'ils ont utilisé. C'est pas du vrai papier journal. Mais c'est très bien l'idée. Oui, plus proche, ouais. Et là, un peu plus tôt, je vous ai donné l'explication pourquoi c'est dans du papier journal. Culture et nourriture. Bon, elle a aussi pris, madame, ça est pour moi, vous n'avez pas vu, la glace Mickey, griffée aux 30 ans. Tada! Alors, cette fois-ci, ce qui est différent, si on regarde bien, ça fait la forme comme si Mickey il souriait. On n'a pas juste un rond en bas. On a ses oreilles, regardez bien, là, on voit bien les joues sur le côté. Mickey sourit. Tu avais disparu, je me demandais où tu étais, tu as demandé si tu pouvais en avoir un. Ouais. Ou quoi. Je suis super content parce que j'adore ce dessin animé, j'adore personnage. Et je vais le mettre sous cadre. Tu sais ce que je réalise ? J'ai pas de livre. Faut que je me procure le livre. Allez, on va acheter. Ouais, faut que je me procure le livre. Allez, après on va à W.A. Smith. tu prends pas le Mr. Toad en chocolat ? Prends le Mr. Toad en chocolat. Non, si tu me demande. Piques par un truc par jour, tu non, peux pas. Non, ça vivre. Je te laisse. Ça, d'accord, vas-y, prends le Toad en chocolat. Sacrifié toujours quand même. Hé, hey, Mr. Toad. Ah, j'ai pas honte. Alors, j'ai réalisé que je l'avais en tenue pour les 25 ans, tenue d'Halloween, mais Max en tenue normale, traditionnelle, je l'avais pas. C'est l'occasion. Bientôt, Max. On t'attend. Superstar. C'est beau, hein? Ça va? Oh! J'ai l'impression qu'on va danser? Connecté, hein. Ah oui, pardon, excusez-moi, il faut que je donne mon téléphone à monsieur. Le sac. Hein? Ok. Ok. Oh, oh, oh. Ça va bien? Super, ça va. Regarde. Faudra que j'en fasse un avec toi. Bah oui. Wouh! J'arrive. Yeah! Wouh! Vas-y, monte à Corée, Max. Merci.
bah, été génial, Max, comme d'hab. Voilà, j'adore son papa, lui, je l'adore. Donc, ça me fait 3 tenues différentes. Je vous montre quand même, je vous en ai parlé. Donc, vous pouvez voir la soirée des 25 ans sur notre chaîne. Et puis, pour Halloween, quand on l'a rencontré, petit extrait vite fait. Ce que j'aime aussi à Disneyland, c'est que d'un seul coup, comme ça, on avance et qui se balade, bah, des personnages. Regardez. Vous êtes les plus beaux. Magnifique. Merci. Belle journée. Bye. Bye, Mary. Hello, guys. Hello. Have a nice day. Bye, bye. Alors, t'as un peu filmé la parade. J'étais juste derrière toi. Et Clarisse, tous les bisous qu'elle fait, quand elle fait le cœur, tout ça, c'est à moi. Parce que j'ai fait un bisou derrière. Elle m'a répondu, elle n'a pas arrêté. T'es derrière l'appareil. Hein? T'en penses quoi de ça? C'était à moi. Non, mais non, mais reviens. Tu me mettras les images. Non, mais on a bien compris là. Ça, et ensuite, quand ils sont repassés avec joie, il s'est passé la même chose. J'ai fait le bisou, elle m'a fait après l'arrêter. Ils sont repassés avec joie. C'est drôle. Avec joie ou en dansant? Ils sont repassés avec joie. C'est ça, va voir Clarisse. Vas-y, cours.